Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait un petit moment que j'étais pas venue, mais j'ai envie de refaire des vidéos, donc petit à petit je vais reprendre le rythme. Je vous garantis pas que ce sera pour l'instant régulier, ce sera plus régulier je pense à la rentrée. Mais voilà, en attendant j'ai décidé de vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté à Disney. J'y suis allée début juillet et franchement c'était trop bien. Et c'était vraiment très très bien. On s'est vraiment beaucoup amusé et forcément le porte-monnaie en a fait les frais, mais ça en valait la peine. Donc je vous montre tout de suite tout ce que j'ai acheté. Alors je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses. Je vais commencer par la jolie petite tasse Alice qui est vraiment sublime. Je l'avais repérée il y a un petit moment déjà un petit peu partout sur Instagram, sur le Disney Store et tout ça. Donc je suis super contente de l'avoir. Voilà. Ensuite, alors pour mon fils Noé, donc le plus petit qui a 2 ans, je lui ai ramené cette peluche de Rex de Toy Story. Elle est vraiment bien faite, elle est de bonne qualité et il l'adore. En fait, il adore les dinosaures et tout, donc c'est vraiment la peluche qu'il lui fallait. Ensuite, je passe à ce qu'on a acheté pour Adam, donc le plus grand qui a 7 ans. Il était là, bien sûr, c'est lui qui a choisi. Alors d'abord, il y a une pince, mais on la retrouve plus. Donc voilà, une pince pour attraper en fait les objets. Et elle était super belle, mais je sais pas où elle est. On la retrouvera bien un jour. Sinon, il a pris donc des Tsum Tsum, parce que nous, on adore les Tsum Tsum à la maison. Il a pris donc celle-ci, donc de Nemo, qui est, je sais plus, la baleine... Je sais plus comment elle s'appelle. Les noms des personnages, je ne m'en souviens plus à chaque fois, mais bon, voilà. Donc, il a pris celle-ci. Il a pris ces 3 PO de Star Wars. Et il a pris celle-ci. Je ne sais pas qui c'est, mais de Marvel. Et elle est super bien faite. Je trouve que j'aime beaucoup avec la petite cape. Voilà. Ensuite, donc je vais fouiller dans mon sac. Alors, on va continuer dans les Tsum Tsum. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, il y a les Tsum Tsum de Jibril. Donc, Jibril qui a 5 ans et qui les a choisis lui-même. Donc, il a choisi celle-ci. Je ne sais pas qui c'est exactement, mais ça ressemble à Iron Man en gris. Et il a choisi de Star Wars, celle-ci. Avec la cape aussi. Elles sont vraiment très très bien faites. Ensuite, à mon tour. Alors, dans les Tsum Tsum que je me suis pris, j'ai pris celui-ci. De Zootopie, qui est vraiment trop mignon, j'adore sa tête. J'ai également pris la petite loutre de Nemo, enfin le monde de Dory plutôt, je dis Nemo, mais... Ensuite, il y a également celle-ci de Star Wars, que je trouve trop jolie, trop bien faite. Je trouve que les Tsum Tsum Star Wars sont vraiment très très bien faits. J'en ai pas énormément, mais ceux que j'ai, je regrette pas. Et enfin, j'ai pris Baloo du Livre de la Jungle. Voilà. J'ai pas de retour caméra donc je sais pas ce que ça va donner. J'espère que vous verrez bien. Si ça donne rien, ben, il y aura pas de vidéo, mais voilà. En attendant, on va faire comme ça. Ensuite, donc Jibril s'est pris également cette peluche. Donc c'est Stitch déguisé en Yoda que j'adore. Elle est super bien faite. Elle est vraiment trop jolie. C'était la dernière. Je me suis dit, si je la prends pas pour lui, je la prends pour moi parce qu'elle est vraiment trop trop mignonne. Voilà. Et. Donc c'est l'anniversaire de Jibril, donc c'est pour ça que Jibril a pas mal de choses, donc il a été gâté. Il s'est également pris Dory en version bébé. Elle est trop mignonne avec ses yeux tout gros. Voilà. Et enfin, il s'est pris également la petite loutre du monde de Dory. Voilà, qui est aussi super mignonne et super douce. Voilà. Et pour finir, donc moi je me suis pris deux peluches que j'adorais, que j'ai craqué dessus. Donc il y en a la première, ça fait un moment que je la voulais, je la voyais un peu partout, c'est un classique on va dire, des gros Tsum Tsum, mais je la trouvais trop mignonne. Donc voilà, c'est Marie, donc c'est pas un gros Tsum Tsum, c'est la moyenne taille il me semble, et elle est trop jolie. Voilà, elle est trop belle, je regrette pas du tout de l'avoir pris, j'avais hésité parce qu'il y avait d'autres modèles qui me plaisaient, mais voilà, Marie. Et pour finir, c'est mon coup de cœur, je crois, ma peluche coup de cœur du... que j'ai acheté. Elle est vraiment trop trop jolie. Je pensais pas du tout que j'allais craquer sur cette peluche, mais comme quoi. Donc il s'agit, j'ai même pas enlevé l'étiquette encore, hop, de Lucifer, le chat de Cendrillon. Elle est super jolie, elle est super douce. Je savais même pas qu'elle existait, mais quand je l'ai vue, j'ai craqué dessus. J'ai vraiment craqué dessus. Elle était super chère, je crois, par contre. Je vous dirai pas le prix, ou je mettrai en barre d'infos.
sert à rien de parler de prix, c'est la magie de Disney. Donc voilà, elle est super jolie, et voilà. Donc voilà pour le hall de Disney. Donc j'espère y retourner un de ces jours. En même temps, on habite un petit peu loin, donc c'est pas la porte à côté, mais.